Salutations, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue pour un nouveau tour de mentalisme. C'est une prédiction et c'est une prédiction qui est complètement inédite. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça directement dans la démonstration. Ok, alors pour la démonstration de ce tour de magie, on a un jeu de cartes qui peut évidemment être coupé. Alors vous allez voir que de toute façon c'est pas très important puisque de toute façon on va demander à notre spectateur de choisir un nombre, celui qu'il souhaite, entre 1 et 52. Alors admettons que le spectateur nous donne le nombre, il choisisse le nombre 21 par exemple, ok? Donc le spectateur choisit le nombre 21, je vais lui demander de prendre le jeu, qui est juste ici, et je vais lui demander de poser 21 cartes sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. Une fois que c'est fait, je vais lui demander de prendre ce petit paquet de cartes, et d'additionner du coup les nombres qui complètent, les numéros qui complètent son nombre. Donc dans 21, c'est 2 plus 1, c'est 2 et 1. Donc 2 plus 1, ça fait 3, je vais demander de poser 3 cartes sur la table. 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais demander de regarder quelle est la carte sur laquelle il est tombé. Le spectateur regarde la carte qui est juste après, je vous la montre, ok? Vous la retenez bien, je demande à mon spectateur de retenir sa carte, de la poser, de reposer le petit paquet, et de reposer le tout sur le jeu. Je lui demande ensuite de bien mélanger le jeu. Ok. Et une fois que c'est fait, je vais expliquer à mon spectateur que je vais être capable de retrouver sa carte très rapidement. Vous allez voir, c'est assez fou, tout le jeu était mélangé. Et en fait, je sais déjà quelle est sa carte, puisque j'avais déjà prédit à l'avance que sa carte allait être le 9 de cœur. Donc comme d'habitude, juste avant de passer aux explications, vous pouvez profiter d'une formation, c'est 100% offert, premier lien en description, vous recevrez 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles à faire et qui sont très impactants et impressionnants sur le spectateur. Je vous invite à vous inscrire, si vous ne l'avez pas fait, c'est 100% gratuit, premier lien en description. Ok, alors du coup maintenant pour les explications de ce tour de magie, vous allez voir que c'est un tour qui est super simple à réaliser. Hop, quel est le secret? Il est juste ici. On va avoir 2 9 de pique et 2 9 de cœur. Donc si par exemple vous avez 2 jeux bleus ou 2 jeux rouges, vous avez tout simplement besoin d'enlever les 9 de carreau et les 9 de trèfle, et vous allez les remplacer par un 9 de cœur et un 9 de pique de l'autre jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ces cartes-là, on va les placer dans un ordre prédéfini. On va les placer en 9e position, c'est pour ça que j'ai choisi le 9. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On place un 9 en 9e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un autre 9 en 9e position. Et on le remet ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un autre 9 en 9e position, je le remets ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et le dernier 9 en 9e position, ok? Là maintenant vous êtes prêt, vous êtes aussi prêt pour pouvoir montrer le jeu, donc vous arrivez devant votre spectateur, vous allez lui montrer que vous avez un jeu qui est complètement normal, ok? Toutes les cartes sont différentes, de toute façon dans ce cas là il ne pourra pas voir que vous avez 2 9 de pique et 2 9 de cœur. Ok. Maintenant, vous allez effectuer des fausses coupes. Première fausse coupe, je coupe comme ça avec mon doigt, donc je tiens le jeu comme ça, je coupe avec mon doigt, je prends ici en fourche entre mon pouce et mon index le paquet du dessus, et le paquet du dessous, je le prends comme ça et je le remets, vous voyez, en dessous. Je prends le paquet du dessous que je mets en dessous, et ça donne l'impression que je fais une coupe. Je fais la même chose ici, je prends le paquet du dessous, ok, que je pose comme ça. C'est une impression de coupe, alors qu'on n'a pas du tout coupé le jeu. Et là, on va expliquer au spectateur que de toute façon, c'est pas très grave. On ne va pas couper non plus pendant des heures, puisque c'est lui, de toute façon, qui va choisir un numéro entre 1 et 52. Et que ce numéro-là va déterminer une carte à l'intérieur du jeu. Maintenant, petite précision, le spectateur va vous donner un numéro entre 1 et 52, mais il ne faut pas que le spectateur vous donne un nombre qui est inférieur à 9 ou supérieur à 49. Je m'explique. Il faut que le spectateur vous donne un nombre qui est situé entre 9 et 49. S'il vous donne moins de 9, ça ne fonctionnera pas. S'il vous donne plus de 49, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, comment on fait ça? Là où on a des chances que le spectateur nous donne un nombre qu'il ne faut pas, c'est au moins de 9. Donc c'est possible qu'il nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans ce cas-là, il va falloir orienter le spectateur. Vous allez tout simplement lui demander, vous allez lui dire, voilà,
Ici, j'ai 52 cartes. Maintenant, juste, tu vas me donner un nombre complètement aléatoire, entre 1 et 52. Alors, donne-moi quand même un nombre assez grand. Voilà. Ça, c'est très important. Donne-moi quand même un nombre assez grand. Si vous dites ça au spectateur, il y a très peu de chances qu'il vous donne un nombre qui va être inférieur à 9. Puisque vous lui avez dit, donne-moi quand même un nombre assez grand. Voilà. Donc, dans le cas où le spectateur vous donne quand même un petit nombre, vous allez tout simplement le réorienter en lui disant, ça serait mieux que tu me donnes un nombre plus grand avec des dizaines, puisque ensuite je vais te demander d'additionner tes deux nombres. Ok ? Donc il verra à la suite, pour la deuxième étape, quand on va lui demander d'additionner ces deux nombres, ça lui paraîtra logique au final que je lui ai demandé un plus grand nombre. Dans tous les cas, il y a très peu de chances que ça arrive, si vraiment vous parlez bien et que vous dites, j'ai un jeu de 52 cartes, je veux tout simplement que tu me donnes un nombre complètement aléatoire, entre 1 et 52, alors donne-moi quand même un nombre assez grand, pour le tour, ça sera mieux. Voilà, vous avez de grandes chances que le spectateur vous donne un nombre qui sera situé entre 9 et 49. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. Vous le savez, on a un 9 de cœur qui est situé en 9e position, un autre 9 de cœur qui est situé en 18e position, un 9 de pique qui est situé en 27e position et un 9 de pique qui est situé en 36e position. Donc si le spectateur vous donne un nombre qui est un multiple de 9, ok, admettons il vous donne 9, ou si le spectateur vous donne 9 ou 18, vous n'avez même pas besoin d'aller à la deuxième étape, c'est un coup de bol. Il va vous dire, il va placer les nombres, on va faire avec 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous savez déjà que cette carte-là, c'est le 9 de cœur. Donc on n'a pas besoin de passer à la deuxième étape, ok ? Exactement pareil pour le 18. Maintenant, si le spectateur vous donne un nombre qui n'est pas un multiple de 9, admettons, il vous donne le nombre 14. On va compter, on va lui demander de compter 14 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok ? Et on va lui demander maintenant d'additionner les numéros qui composent son nombre. Dans le cas de 14, c'est 1 plus 4, ça fait 5. On va lui demander de compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, et de regarder la carte qui est juste ici. Bien évidemment, on ne regarde pas. Il regarde et il la garde pour lui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que peu importe le nombre que le spectateur choisira, on tombera tout le temps sur un 9. Soit sur les 9 de cœur, soit sur les 9 de pique. Maintenant, la règle, elle est simple. Étant donné que vous avez le 9 de cœur qui est en 9e et 18e position, tant que le spectateur ne donne pas un nombre qui est supérieur à 30, j'ai fait tous les tests, ne vous inquiétez pas. Tant que le spectateur ne donne pas un nombre qui est supérieur à 30, ce sera toujours un 9 de cœur. Ok ? Si vous placez les deux 9 de cœur dans la même position que moi. Si le spectateur donne un nombre qui est égal à 30 ou supérieur à 30, ce sera le 9 de pique. Voilà comment vous allez être capable de savoir sur quelle carte le spectateur est tombé exactement. Donc peu importe le nombre que le spectateur va choisir, ça sera tout le temps, soit il tombe sur un multiple de 9, et donc vous allez avoir le 9 de cœur ou le 9 de pique, et vous saurez déjà quelle carte c'est, soit c'est pas un multiple de 9, et donc on passe à la deuxième étape, et ça tombera sur soit le 9 de cœur, soit le 9 de pique, 9 de cœur si c'est entre 9 et 30, 9 de pique si c'est entre 30 et 49. J'espère que c'est simple. Maintenant, comment faire la révélation ? Eh bien, premièrement, vous avez quand même beaucoup plus de chances que le spectateur vous donne un nombre qui est inférieur à 30. Ok ? Donc, pour ma part, je prenais pas trop de risques en écrivant 9 de cœur sur ma main, parce que je me suis dit que j'avais peu de chances que le spectateur me donne un nombre inférieur à 30. Mais il faut quand même prévoir la deuxième option. Et si le spectateur vous donne un nombre qui est supérieur à 30, eh bien c'est très simple, vous allez tout simplement avoir deux prédictions. Donc là, pour ma part, je l'ai mis sur la main, mais on peut très bien avoir un bout de papier dans la poche droite, un bout de papier dans la poche gauche. Et une fois que le spectateur a vu sa carte, qu'il ne l'a pas montré, qu'il a mélangé tout le jeu, on lui dit « je pense savoir quelle est ta carte », et en fait, c'est même pas que je pense savoir, c'est que je l'avais déjà prédit depuis le début. Puisque dans ma poche droite, et là par exemple, dans votre poche droite, admettons que vous avez un 9 de cœur, et bien dans votre poche droite, si le spectateur vous donne un nombre qui est inférieur à 30, et bien vous sortez le 9 de cœur, puisque vous savez que ça allait être un 9 de cœur. S'il donne un nombre qui est supérieur à 30, et bien vous sortez le 9 de pique, puisque vous savez qu'il a vu le 9 de pique. Après, à vous d'être créatif, à vous d'être inventif, et à vous de savoir où est-ce que vous allez pouvoir cacher vos prédictions. Vous pouvez mettre main gauche, main droite, mais bon, c'est voyant,
Vous pouvez, par exemple, prendre une carte, mettre un 9 de cœur comme j'ai fait ici, hop, un 9 de pique ici, et un 9 de cœur ici, et demander à votre spectateur de soulever le tapis quand il le souhaite. Et là, vous avez une prédiction. Il y a plein de choses à faire avec ce tour. Ce tour est surpuissant, puisque avec un numéro, vous êtes capable de prédire une carte. Voilà pour l'explication du tour, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez profiter de la formation offerte dont je vous ai parlé en milieu de vidéo. Sinon, il y a tous les programmes de formation qui sont payants, comme le Magic Pack, qui est le best-seller de l'Abracadémie, plus de 80 tours et techniques de magie qui vous sont enseignés. Je vous invite à aller voir toutes les pages de présentation des programmes qui sont dans l'Abracadémie. Sinon, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous.